Ma famille, je sais que j'ai promis qu'elle ne va plus jamais toucher le mouna de 1 watt. Mais ce qui vient de se passer, c'est ne pourrait pas endemmer ça. Je vous explique. Moi, j'étais manqué de battre tranquillement, que j'ai fini ma journée encore, que le watt m'a fatigué le cerveau. Je suis retourné dans mon arrêt de bus où j'ai allumé le petit frère arrière. Je sat tranquille. Vous savez que quand vous avez grandi dans un quartier où il y a tout le retour, comme Bailong City, New Bell, tous les quartiers difficiles là, et que vous avez fréquenté dans un lycée comme le lycée bilingue de Deido, 2009 à 2016, il n'y avait pas une semaine qui passait sans la bagarre, sans les retours. Il était tout dedans. Quand moi, il m'assoit, je sens comment le retour en train de kim. C'est un peu comme la Spider-Man. Quand il y a le danger, ses poils se lèvent. Mes poils se sont levés. Pap! J'ai senti que non, il y a un retour qui est en train de kim. Parce que je vois le petit frère là kim. Avec une masse de petits frères derrière lui, ils étaient au nombre de 6. 6 contre moi seul. Et me suis donc levé. J'ai senti que non, petit frère, là c'est le retour qui est en train de kim. Mais lève donc, il go vers là où il y a les caméras de surveillance du secteur. Et tape ma tête en l'air comme ça pour que les gars m'enregistrent bien. Parce qu'ils doivent enregistrer l'action qui va se passer. Il flex. Le petit frère voit comment il reste moi quand le petit frère vient me pousse d'abord, il recule. Maintenant vous savez qu'ici là les caméras n'enregistrent pas les voix. Il a commencé à bec au petit frère là comme ça. Bon, pourquoi la caméra enregistre comme si je suis en train de mettre les excuses? Il fait comme ça là, assez le petit frère à bec, pardon, fuyez parce qu'il veut tuer quelqu'un ici là. Je suis d'abord sur les nerfs, tiens, ma la bec fuyez. Il voit maintenant comment le petit frère me donne un coup de poing, boum! Quand il reçoit le coup de poing, c'est un peu comme le chiffon qui m'a touché, quand ça m'a caressé la joue. Il a compris que petit frère, c'est un achima. Parce que quand un gonzo te donne le coup de poing, petit frère, ça ancre, tu ressens. Moi, tu ressens le coup de poing sur le visage. Quand il tombe comme ça là au sol, il me relève. C'est vrai qu'on tombe pour ça, mais quand il tombe comme ça, il me relève. Il fait encore comme ça les gestes pour que la caméra fasse croire que ça a été des belles les excuses. Il voit comment le petit frère là revient comme un torse, Bon, le petit frère, quand je me suis levé, l'instinct camerounais a repris le dessus. J'ai coupé une bougie au petit frère là. Je lui ai donné une chandelle, petit frère. C'est-à-dire, j'ai donné une chandelle au petit frère là. Il a seulement monté comme ça là. Quand il est retombé, non, je suis monté sur lui comme le caterpillar. J'ai enchaîné le coup de poing. Kip, 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 le petit frère là. Bon, quand il enchaîne comme ça, c'est comme il dit maintenant, il commence à me donner des coups de poing. Oh, est-ce qu'il veut ressentir mon père? Tellement il a tapé, mon père m'a tapé avec tout genre de massage qui existait sur terre. Bon, quand il a me donné le coup de poing, il ne ressent rien derrière. Je charge que le petit frère là, kip, 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 kip. Jusque le petit frère là, seulement soulevé sa main. Les gars, laissez comme ça. Quand avant que les gars ne laissent, j'arrête encore l'autre, ce petit frère, il remonte au sol. Dès que petit frère, tu veux m'imbaco. Je donne encore pour lui. Kip, kip. Kip, kip. Petit frère, le petit frère est en train de. Il est en train de pleurer. Son nez, il éclatait seulement que le nez. L'autre dit comme ça qu'il veut me rôle. Quand j'ai arrêté l'autre, je courais comme ça là. Il est serré le courrier. Maf, la police est venue nous séparer. Oh, quand la police voulait un peu trop, Ziako, sur le blacky dans l'histoire, qui veut me tcha. Il dit que non, fait, look les caméras. Eux-mêmes, ils ont nous commis tenté de mettre les excuses. Bon, ils ont confirmé que c'était la self-défense. Après, quand on finit, on arrête le petit frère, go on gaza. Bon, après, il me demande que tu viens d'où? Moi, je dis qu'il vient de 237. Il dit, hey, you are from Francis Ganou Country. Il dit, yes. Non, c'est moi, il n'a que le petit frère, mais ils sont go on gaza.